J'adore. Oh non, il va être trop beau. Oh là là, la couleur. La couleur, c'est du orange. Elle va être belle, les amis. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Comme vous avez pu le remarquer dans le titre, c'est un haul spécial lingerie, sous-vêtements et tout. On va tester ensemble le site Nudita. Je l'ai déjà testé dans le passé. Et là, on fait une collab parce qu'ils ont lancé un nouveau type d'article sur le site. Ce sont des robes. Ils ont lancé plein de robes, de plein de coloris, plein de modèles différents. De toute façon, je vous laisse le lien du site en barre d'informations. Si j'ai un code promo, il sera sur l'écran. Et surtout, tous les liens de mes articles, ils sont en bas. Comme ça, s'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez directement aller voir. Et gros bon plan pour vous, n'hésitez pas à les rejoindre sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'informations. Parce que là, ils font un gros concours pour gagner de l'argent et des cadeaux. Je vous mets tous les bons à gagner sur l'écran. Il y aura plusieurs gagnants. Pour ça, tu dois tout simplement les suivre sur Facebook, partager le compte à tes amis et commenter. Je participe en commentaire. Et le tirage au sort, il se fait le 10 octobre. Et surtout en commentaire, j'attends vos retours sur lequel article vous préférez de ma sélection. J'ai fait une sélection de sous-vêtements, de robes, etc. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon visionnage. On va tout découvrir ça en direct. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai rien vu, hein. J'ai juste ouvert là, mais j'ai pas regardé les articles. Quand je vous parle de certaines marques ou certains articles, c'est parce que je les aime vraiment. Et ceci, j'ai testé, je crois, deux fois hein, déjà. Donc là, c'est mon troisième colis. Trop bien. De qui c'est écrit Nudita? Donc vraiment leur petit packaging à eux. Ouh là là, il y a plein de trucs. C'est quoi ça? Je me rappelle pas que j'ai pris des cache-tétons. Je vous jure, j'ai pas pris ça. Bon. C'est pas grave, on est parti. Premier article, c'est très bien emballé. Oh non, il va être trop beau. Alors ça, faut savoir que c'est carrément mon délire. C'est un petit peu transparent, mais pas trop. C'est super confortable, ça ne gratte pas. Il est de couleur bleue avec le bas. Et l'ensemble, il est vendu ensemble. Je sais plus si vous pouvez acheter les pièces séparément. Je vous laisse aller voir sur le site. Donc la couleur, elle est juste incroyable. Avoir porté, parce que des fois les ficelles comme ça, vous savez, ça peut faire effet un peu boudin quand ça serre. Mais là, j'ai pris taille M, donc ça, je pense pas que ça va me serrer. Les détails, ils sont trop beaux. Il y a un petit nœud papillon ici. Et le haut, pareil, on retrouve ce petit nœud papillon au milieu. On retrouve les agrafes derrière. Hein. La petite étiquette Nudita. Bah écoutez, je pense que c'est plutôt validé. À voir porté. Je vous montre de suite porté ce que ça donne. Il est trop joli. C'est un peu transparent, donc on voit un petit peu les tétons. C'est pour ça que je cache. Mais il est super confortable. Il est léger, je le sens pas. Le petit détail au milieu, il est trop beau. Franchement, c'est hyper joli. Le derrière, il est très simple avec les agrafes. Vraiment joli. Et le bas, il est comme ça. Il est quand même vachement échancré. Mais il est quand même assez sympa. Il y a les petites ficelles qui sont là. Tout ça mon effet. C'est léger, t'es super confortable dedans et la couleur est trop belle. On va passer au deuxième article. Oh là là, la couleur. La couleur, c'est du orange. C'est quoi? J'adore. Alors c'est carrément différent. C'est plus en forme de triangle. Les motifs sont très très jolis. On voit qu'il y a vraiment du travail dessus. C'est fleuri. Derrière on retrouve les agrafes, mais il y en a un petit peu moins que le précédent. Les bretelles comme d'hab, vous pouvez les resserrer. Bah franchement j'aime beaucoup. La couleur franchement elle est belle. Hein. Ça, sur les peaux un peu foncées, je trouve que ça ferait vraiment canon. Et on a le bas qui est très simple. Et ici ce qui est cool, c'est que vous pouvez resserrer aussi les côtés. Et l'arrière, eh ben, il est comme ça. J'aime bien parce que si c'est un petit détail, ouais pourquoi pas. Franchement c'est pas mal. Je vous laisse voir comment ça fait porter. Voilà. Il est trop beau. Je cache un peu ici parce qu'il est un peu transparent. Mais c'est fait exprès, hein. Il est super mignon. Il est à dentelle, un peu fleuri. Pour le moment, je pense que c'est mon préféré. Waouh, les détails. Non, c'est pas possible. C'est trop beau. Le bas, il est très joli. Si vous pouvez resserrer, s'il y a la petite dentelle. Orange, mais pas trop flash. Il est trop, trop beau. Allez, maintenant, on va passer à ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une robe. Une nuisette toute blanche. À voir si c'est pas transparent. Les bretelles, vous pouvez les resserrer. Oui, bah, c'est une petite nuisette blanche. Vous voyez, hyper fluide et hyper légère, qui a l'air confortable. C'est une nuisette super confortable pour rester à la maison en mode chill ou alors pour faire le ménage parce que c'est super ample et confortable. Et en plus, sur le site, il est à 5€ et quelques. Du coup, avec mon code promo, il revient à même pas 3€. Donc, du coup, ça vaut vraiment le coup. Et au moins, t'es détente. Tranquille, chill à la maison. Juste à voir si c'est pas transparent. Mais ça a pas l'air. Bon, je vous laisse voir ce que ça fait porter. Oh là là, j'aime pas du tout. En plus, on voit mon bidou. Le bas, il est pas beau du tout. C'est hyper large. Ça sert pas au niveau du corps. Vous voyez, c'est pas parce que c'est une collaboration que je suis obligée de saucer la marque. Quand j'aime pas, je le dis. Non, celui-ci, j'aime pas du tout. Après, oui, ça peut être une nuisette. Donc t'es tranquille chez toi, tu mets ça. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a aucune forme, il n'y a aucun intérêt. Allez, on passe à celui-ci. Alors j'ai pris vraiment des couleurs variées. Hein. Il y a eu du bleu, du orange, du blanc. Là, on part sur du beige marron. C'est une robe, ok, mais vachement différente parce que je trouve que au niveau de la poitrine, c'est marqué. Pareil, les bretelles un peu plus épaisses, vous pouvez les resserrer. Le devant, c'est un peu en V, très léger. Et j'ai l'impression que, regardez, ça marque un petit peu la silhouette. Ben, c'est sympa, j'aime beaucoup, je valide. Et la matière, elle est différente, elle est un peu élastique, mais pas trop. Ça a l'air vraiment pas mal. Hâte de tester. Je vous montre. Pareil, ça met bien la silhouette en valeur. Vous voyez les hanches là, comment elles sont bien mis en valeur. Elle sert bien au niveau du corps. Elle est super légère. Le dos est très simple, il est comme ça. Franchement, j'aime beaucoup, même la longueur et tout. Je trouve que c'est hyper charmant.
Et franchement, c'est léger, c'est couleur peau, couleur chair, c'est top, ça change. Ça aussi, c'est une nuisette ou une robe? Ouh là là! Ouh là 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 là! C'est une robe, elle va être belle, les amis. Une de couleur noire, je vous ai dit, j'ai pris toutes les couleurs. Alors ici, c'est vraiment vachement différent. C'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup plus habillé, vous le voyez. Au niveau du haut, la poitrine, elle est vraiment marquée. Je sais pas comment ça s'appelle, ça, si vous pouvez me dire. Vous savez le truc là en dessous des soutiens-gorge qui font une belle forme de poitrine? Bah, il y a ça là. Il n'y a pas de rembourrage, donc ça, j'aime parce que moi, les rembourrages, je trouve que ça fait trop fake. Je les enlève tout le temps. Ici, il y a un petit détail au milieu, tout mignon. Ah, et l'arrière, j'ai pas vu. Le dos, il est légèrement dénudé au niveau du haut. Très, très légèrement. Et encore une fois, elle est super légère, elle est bien épaisse. Ça, on aime. C'est vraiment de la qualité. Je vous laisse voir comment ça rend portée. Oui, pourquoi pas. Elle est classe, elle est élégante. Je la voyais pas comme ça tout à l'heure. Franchement, j'aime beaucoup. Le petit détail qui fait tout son effet. Ici, en plus, regardez, c'est un petit peu doré. Donc, pareil, ça fait tout son petit effet. C'est très charmant. Tu mets des petites paires de talons, tu sors au restaurant comme ça. En plus, à la longueur, elle est juste incroyable. Ah, derrière, regardez, il y a une ouverture. J'avais pas vu ça. Bon, ça, c'est un petit détail, je sais pas, qui sert un peu à rien selon moi. Et le dos, il est un peu ouvert, mais très légèrement. Donc, j'aime beaucoup. Allez, on part encore sur une couleur noire. Oula, la matière, elle est vraiment différente. Elle est très douce. La matière, ah, j'ai un petit nounours. C'est trop doux. Genre, t'as envie de lui faire un câlin. La poitrine, pareil, elle est marquée, mais par contre, il n'y a pas le truc en dessous. Les bretelles, on peut toujours les resserrer. Le dos, il est dénudé, mais plus que la précédente. Donc, on voit un petit trou en fait sur le dos. Et pareil, elle est super légère. La qualité, elle est top. J'ai l'impression que c'est un noir, mais un noir pas trop foncé, genre un noir gris. Je vous laisse voir ce que ça fait porter. La robe, je pensais qu'elle allait être fluide, mais en fait, non, elle est collée au corps. Mais franchement, elle est super mignonne, elle met bien la silhouette en valeur, elle est légèrement creusée pour accentuer ici les hanches. De base, moi, j'aime pas trop les robes mi-longues, mais là, je trouve que super jolie, vraiment, elle était confortable. Ici, il y a la petite coquille qui est super top. Derrière, il est comme ça, donc le dos, il est un petit peu ouvert. Donc, je trouve que pareil, ça fait tout son effet. Oh, les filles, dites-moi, vous en pensez quoi? C'est simple, mais c'est beau. On va passer au dernier article. Attention. Oula. Alors là, ça fait bling bling. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Ça fait vraiment très bling bling. La couleur, elle est bizarre. On dirait du vert, jaune, noir. Je sais pas trop comment dire. Oui, c'est ça va, c'est mignon. Mais ça peut être particulier. Alors voyez la poitrine, les petits détails très très mignons. J'aime beaucoup. Ça donne tout son effet. Donc pareil, ici, c'est marqué au niveau de la poitrine. Les bretelles, elles sont comme ça, très bling bling aussi. Et elle est aussi très loose, très légère. Elle est très différente des précédentes, à voir porter. Hein. Parce que ça, franchement, c'est tout ou rien. C'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. C'est tout ou rien, c'est 50-50. Je vous laisse voir ce que ça fait porter. Ok, franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Ici, au niveau de la poitrine, on a cet effet. Ça fait un peu genre robe nuisette, où c'est serré au niveau de la poitrine, mais là, c'est fluide. Là, t'es à l'aise, t'es confortable. Le dos, il est comme ça. Regardez, il y a des petits trucs qui pendent. Ouais, franchement, c'est mignon, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil, même la couleur, elle est pas choquante. C'est grave cute. Du coup, voilà ma petite sélection. Encore une fois, j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous avez préféré. Moi, je pense que mon petit coup de cœur, honnêtement, c'est celui-ci. Après avoir porté, si c'est pas celui-ci, ce sera celui-ci. Et au niveau de la robe, je pense celle-ci, parce qu'elle est très simple, mais le dos, il est ouvert, et du coup, je trouve que ça... Ça rajoute un truc. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vous laisse mon code promo si j'en ai un sur l'écran. Si je vous mets rien sur l'écran, c'est que j'ai pas de code promo. Tous les liens, ils sont en bas. Et je vous dis à dans 3 jours pour une vidéo. Parce que sur la chaîne, il y a une vidéo tous les mercredis et tous les samedis à 11h. Et je vous invite à vous abonner si c'est pas fait. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.